Est-ce que quelqu'un va faire la réunion à ma place? Ouais, moi. Alors. Pas les plus vite. Humeur du jour, Johnny. C'est propre. Tu vas pas propre le pli. Hein. Ou quelqu'un d'autre. Ah, mais moi je dirais que ça m'embête un peu que ce soit humide là, dans le temps comme ça. Pourquoi on attaque aujourd'hui? Ouais. Hilary et moi on est bien chaud de. Là-haut, il faut faire préparer la barbotine, mouiller la paille et mettre la barbotine pour qu'on puisse appliquer la couche comme le corps. Ouais. Donc, je suis de cuisine, donc pendant une heure et demie, on peut faire ça avec Hilary. Ok, d'accord. Zanification du chantier me semble être. Et bien, c'est ce qu'on dit. Ouais, okay. Le dehors et l'intérieur, les cacations et tout, enfin tout, les bières. Essayez de commencer ça par ça, ou le faire plus tard. Essayez de commencer. Alors les bières, tu as pensé à un bon chantier du matin. Okay. Si quelqu'un a une solution, on range ça autrement. Moi, je vais aller faire des courses. Ouais. On va faire la liste de courses après. Uh-huh. Je vais emmener du verre. Je vais passer lâcher du verre au container. Donc on va un peu vider ça et on va faire ce qu'on peut pour en enlever un maximum et puis le reste on rangera un peu mieux. Donc on a le verre, on a déblayé le bois et le mettre derrière. On a peut-être quelqu'un pour aider Cyril pour faire le mélange, porter les seaux, la barbotine et tout ça. Et puis voilà. Lui monte, on vérifie les couches d'accroche. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Il y a les voilà. Échafaudages avec Julien. Et il y a tout mettre de ce coin-là pour que ce soit net. On s'y met quand on a fini au fur et à mesure. Hein. Ben, ouais. Ceux qui... Et puis il y a toujours du ponçage pour ceux qui veulent méditer. Et des cacatures. Ouais. Le jardin aussi, tout l'espace commun. Quoi. C'est bon? Bon, ouais, n'oublie pas de s'inscrire sur le tableau s'il faut. C'est... Ouais, il faut passer. Cyril, t'as tout dans les tableaux. Avant non. Avant ou non? Non. Bon, par contre, je peux t'enfiler largement de quoi dépanner la journée. Alors un chantier participatif, c'est des gens qui construisent une maison et qui préfèrent en profiter pour partager les connaissances qui sont liées à la construction. Donc c'est lié à l'autoconstruction, le chantier participatif. Donc c'est l'occasion pour des gens d'apprendre des techniques de construction, donc ils viennent sur le site et en échange d'un coup de main, ils apprennent à construire leur maison. Et l'avantage, c'est que bah moi je crois que traditionnellement on construisait les maisons à plusieurs, hein. C'était la famille qui se déplaçait, le village, ça se fait encore dans les communautés autonomes qu'on voit de par le monde, où tout le monde se retrouve pour construire une maison, et puis l'année d'après, bah, on construit la maison d'un tel, et comme ça, tout le monde sait un peu faire, et puis surtout ça va beaucoup plus vite, et on n'y passe pas de 3 ans de sa vie à temps plein, quoi. Alors moi j'ai choisi de faire un chantier participatif parce que je voulais des gens, je voulais partager les expériences que je vis et je voulais aller plus loin que ça, je voulais vraiment partager peut-être un mode de vie et une conception de la vie. Du travail en commun, du collectif, de l'intelligence collective, de toute la créativité qui peut sortir de ça. De montrer qu'on peut aussi travailler pour se faire du bien et pas que pour se faire du mal. Travailler de la terre, de la paille, des matériaux naturels qui ne sont pas nocifs pour la santé ni pour les mains. Tout ça, c'est des techniques qui sont adaptées et qui en plus, non seulement elles sont adaptées, mais elles ont des propriétés bien plus intéressantes que la plupart des matériaux du commerce. C'est sain, c'est pas cher, voire gratuit. Et c'est des techniques qui intéressent beaucoup de gens aujourd'hui, qui se convertissent un petit peu à la construction écologique. Et voilà.
on se met là. Ouais. Les impulés. Bah. Je crois que j'accepterai pas quoi. Ici on fait de la nuit, alors en technique, terre et paille. Pour le reste, demandez au patron. Alors l'enduit sur la paille, c'est soit on trempe les bottes de paille avant de les monter, on les trempe dans un lait d'argile pour qu'elles aient une surface d'accroche pour qu'on puisse enduire après. Et dur aussi, parce que pour enduire, il faut une surface dure, pas molle. Ou alors on fait comme nous on a fait ici, c'est-à-dire on monte les murs et ensuite on enfonce de la barbotine dans les murs de paille. C'est-à-dire qu'on fait une barbotine assez épaisse qu'on pousse à travers la paille sur 2-3 cm d'épaisseur. Il faut bien que ça pénètre la botte de paille. Et ensuite quand ça sèche, ça vous fait une surface super rigide sur laquelle on peut enduire n'importe quoi. Ça c'est la couche d'accroche. Alors après il y a la couche de corps. La couche de corps c'est une couche qui va plutôt être là pour donner la forme du mur. Donc on peut la modeler, elle est assez épaisse. Là, en l'occurrence, ça fait 2 à 3 cm d'épais. Elle va apporter de l'inertie, de la protection au mur. Et aussi, du coup, comme c'est de la terre, de la réguler l'humidité dans la pièce, etc. Et ça se fait avec des fibres, de la paille. On a mis de l'herbe fraîche aussi dedans pour qu'il y ait un phénomène de polymérisation. Ça va composter, en fait, ça va pourrir dans le mur. Et ça va créer des liens encore plus fins entre les molécules. Je ne vais pas en expliquer plus. Hein. Et de la charge, donc il y a du sable et de la barbotine qu'on prépare en tamisant la terre qu'on a obtenue en creusant une mare avant de construire la maison. Ce que faisaient nos anciens d'ailleurs. Et ensuite sur la couche de corps, après un an, en général, il vaut mieux attendre au moins un an pour qu'il ait pris le froid, le chaud, que le mur se soit posé, parce que comme c'est très épais, ça va tirer. Et ensuite, on peut faire une couche de finition de entre 0,3 cm et 1 cm de matière plus fine, donc du sable tamisé plus fin, de la terre tamisée plus fine, et on arrive à des enduits très lisses, une finition assez agréable. Quelqu'un a mis les bières au frais. C'est très important. Non, je crois pas, j'ai dit au moins que tu payais ta tournée. Ah, Romain arrive pour nous aider, merci. Je viens pour vous encourager. Ah, c'est déjà pas mal. T'as vu, je fais des heures sup aujourd'hui. Ah. Tu veux faire un peu de la routine. C'est quand même plus plaisant que toute notre merde. T'as fait. T'as été là ? Ouais. Ouais. Oh, c'était crevé quoi. Ouais. Il en fait froid, c'est après-midi. Creusé. Ah oui.
Et maintenant, c'est combien de taille comme ça? C'est comme pour les briques? Alors, non. Non, c'est pas comme pour les briques? Non. Non, le mélange, il est un peu plus près de la bétonnière. Ah, il y a du sable dans la bétonnière? Ouais. Voilà, c'est sable, le terre est pas ouais. Terre de flèche. Non, mais on se fait tout con si tard. Ouais, tu vois. Je pense pas. C'est la recette Royal Mix. Un volume de barbotine pour un volume et demi de sable et un volume de fibres dont la moitié de fibres sèches, paille, et de fibres vertes, herbes, ce qui permet une fermentation et donc une polymérisation moléculaire à l'intérieur de l'enduit. Qui est en plus solide, on peut le remplacer par de la bouse de vache ou du crottin de cheval, on a combien ? 4. On va démarrer avec le sable. Tu veux la démarrer ? C'était combien ? 200 euros. 200 ? Pas très cher. Bah, ça dépend. Pour une bétonnière comme ça, ça me coûte. Mélanger la chaux avec le sable. Il y avait deux seaux de sable, c'est ça? Ouais. C'est un demi de chaux là? Ouais. Vas-y tranquille. Je veux la presse pour.
bien solide le mélange. Ouais, c'est vrai. Bien. Mais en fait, c'est dur, hein. C'est pas pratique, hein. Ah, ça va. Dans les. Voilà, moi ça fait depuis 2009 que j'enseigne la permaculture et je travaille avec une équipe pédagogique où on met en place des programmes, enfin, les programmes qui suivent les programmes qui ont été mis au point par Bill Mollison dans les années 80, donc c'est le fondateur de la permaculture, où le but c'est de savoir un petit peu tout sur tout et d'être capable d'être autonome, de voir que c'est possible, que les techniques existent, qu'il y a des techniques simples et appropriées. Appropriées, c'est un terme aussi important. Tout ça en respectant l'éthique de la permaculture, c'est-à-dire prendre soin de l'homme, prendre soin de l'environnement. Pour moi, c'est indissociable, mais on les sépare pour les rendre un peu plus explicites. Et la création d'abondance et le partage des surplus. Alors à l'origine, permaculture, ça voulait dire agriculture permanente, puisque c'est inspiré des travaux d'un japonais qui s'appelait Masanobu Fukuoka, qui avait donc développé une technique pour produire des céréales, du riz, en rotation avec des légumineuses, sans travail du sol et avec une terre qui s'aggradait d'année en année. On parle d'agriculture régénératrice parce qu'on est capable de produire de la nourriture sans dégrader le sol. On peut au contraire nourrir le sol, c'est une autre fonction du paillage d'ailleurs, puisque le paillage c'est du carbone qui associé à la matière verte va se décomposer et nourrir les plantes, nourrir le sol, les organismes du sol surtout. Et donc on va chercher tout ce qui sont les techniques d'agriculture, enfin on s'est inspiré de ça. Et ensuite, ça s'est étendu à tous les domaines des activités humaines. Donc, y a pas de raison. Déjà, Fukuoka, dans son livre « La révolution d'un sol brin de paille », il parle de quelque chose de systémique. La permaculture, c'est quelque chose de systémique, c'est-à-dire où on ne dissocie pas un élément d'un autre. On ne dissocie pas l'habitat, du jardin, de nous, du corps, de la santé. Et Fukuoka, dans son livre, parlait beaucoup de la production de nourriture de la terre, mais aussi de la santé, du lien entre la santé et la nourriture que l'on mange, la façon dont on la consomme. Après, ça va être la façon dont on gère notre eau, dont on construit notre maison, dont on prend soin de notre corps, de toutes les façons possibles, les énergies. Enfin, ça, du coup, ça s'est étendu et c'est devenu un mot qui est plutôt aujourd'hui synonyme de culture permanente. On est en train d'appliquer ces principes éthiques et fonctionnels, pragmatiques, du bon sens en fait. Pour moi, la permaculture, c'est un autre mot pour bon sens, où on a ajouté un petit peu cette conscience écologique qui se développe un petit peu en ce moment lié aux aléas climatiques, je crois. Et donc ça répond à ces besoins-là, c'est-à-dire c'est un package de solutions, de stratégies et de techniques qui correspondent à cette éthique et qui permettraient donc de vivre sur Terre le plus longtemps possible, simplement en étant en harmonie avec notre environnement et en réduisant notre impact, voire réduire l'impact, mais même aggrader plutôt que de dégrader.
Alors, un petit mot d'introduction sur le plafond. Alors, c'est... grosso modo, on a pris de la volige, on a acheté de la volige parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, en Douglas. C'était surtout pour gagner des sous. Et ensuite, on a bourré donc, de la laine de chanvre qu'on a cardée, que j'ai achetée à Mel, c'est production locale, c'est à 30 minutes d'ici. Des bottes de 80 kg, il y en a en grosso modo pour toute la surface de toiture qui doit faire à peu près 95 mètres carrés, il y en a pour 1500 euros. Donc on a tout cardé à la main, la laine de chanvre, et on a bourré au fur et à mesure qu'on mettait le plafond. Avant de faire le plafond, on avait fait une ossature bois hein, pour porter le plafond. C'est pas tout à fait parfait, mais ça a aussi son charme. Et on a à peu près 25 à 30 cm d'isolation partout. Donc on est largement dans les... On devrait avoir une bonne isolation. Parce que en fait, parce qu'on avait vu un documentaire qui parlait de la construction, enfin qui évoquait l'aspect de la construction en paille, comme quoi c'était un moyen très écologique et peu cher d'avoir une habitation confortable. Surtout pas cher. Surtout pas cher, oui. Et donc on était intéressé de voir. Comment ça se faisait, comment si c'était vraiment vrai déjà, ce qu'on avait vu dans le docu, et voir si c'était possible de faire ça pour nous plus tard. Quoi. En fait, on s'est dit c'est quand même super magique pouvoir construire soi-même sa maison, c'est vraiment la base de tout quoi.
On sait faire plein de choses, on a fait plein d'études et tout, mais on ne sait même pas construire notre logement ou se nourrir soi-même. Et du coup, c'était un peu un gros rêve et un gros fantasme. On avait envie un peu de venir se confronter à des gens qui le font vraiment et qui ne font pas juste rêver dessus. Voilà. Après, on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour garantir qu'on va se lancer dans un projet comme ça. Ce qui était intéressant aussi, c'était venir se confronter à une vraie collectivité. Parce que c'est pareil, on avait beaucoup de fantasmes et d'idées sur les habitats groupés. Mais c'est difficile de se lancer dans un projet pour toute sa vie si c'est surpose sur quelque chose d'abstrait. Et je crois que dans le cadre d'un chantier comme ça, pouvoir expérimenter des choses, moi ça me paraissait important pour faire la différence entre quelle est la part de ce que je veux et quelle est la part de ce qui me convient vraiment. Et voilà, de se rendre compte plus des personnalités avec qui aussi on peut pas forcément faire quelque chose parce qu'il y en a, ou le type de personnalité avec qui ça fonctionne, quel type de fonctionnement aussi. Enfin, voilà. C'est si on est en vacances. Ouais, disons que c'est un tout, mais alors là on commence à analyser toute la société, tu vois. Dans le genre, dans le style, nous on habite en ville, on habite dans une ville où les loyers augmentent, on gagne pas forcément beaucoup d'argent. Moi je me sens pas capable de tenir un rythme de travail normal, entre guillemets. On a peu de pouvoir sur notre quotidien, peu d'initiatives possibles. Donc on est un peu bouché de ce côté-là, quoi. Donc soit on doit se contenter des restes, quoi, enfin de ce qui est possible dans la ville dans laquelle on vit, soit on essaie de trouver autre chose, un espace qui nous convient plus, sur lequel on peut agir plus directement, et on essaie de prendre les choses en main, mais ça veut dire faire un pas de côté, ça veut dire sortir de notre vie actuelle comme elle est, sortir de la ville, à mon avis. En fait, on est à un stade où on doit faire un choix entre soit on plonge complètement dans le système et surtout ce qu'il attend de nous, qu'on a un couple qui prend un travail à temps plein, qui peut mettre ses enfants à la crèche et tout ça. Et là, alors, on a des possibilités de construire, de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est un choix qu'on n'a pas fait, en fait, depuis le début, qu'on n'a jamais suivi. Donc maintenant, on se retrouve à une étape où on dit, puisqu'on n'a pas fait ce choix-là, il est indispensable maintenant qu'on crée quelque chose qui fait qu'un autre système, que le refus de ce fonctionnement ne soit pas juste un refus qui nous plonge dans la précarité, mais au contraire, qui nous rend riches de quelque chose. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Ouais, tout à fait. Très enrichissant, ça vient confirmer, enfin pour moi, ça vient vraiment confirmer que c'est pas juste une idée abstraite, que c'est quelque chose que j'ai envie de réaliser, parce que c'est des choses qui paraissent beaucoup plus simples en fait. On a l'impression que c'est moins compliqué pour réaliser quelque chose, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il est facile de trouver des gens qualifiés, d'essayer des choses, prendre le temps d'essayer. Et aussi parce qu'il y a des liens qui se créent vraiment entre les gens, et des entraides et des échanges importants. Et puis la nature aussi. Là c'est l'été, alors c'est plus agréable. Mais...
prendre de l'eau. Tu veux qu'on y aille ? C'est pas bon, hein. Les montants verticaux, c'est du merisier. Et toutes les horizontaux, c'est des, donc des pousses de noisetier. Quoi. D'origine. Il y a des fixations, c'est juste des vis. Il n'y a pas de vis, en fait, tout est en tenon mortaise. Donc tous les bouts de merisier sont habillés avec un tenon carré. Quoi. Ouais. Et puis en fait, ici on a coupé un tronc, on a coupé en deux à la hache. D'accord. On l'a déposé à plat, donc on l'a poncé pour mettre à plat. Et puis une fois qu'il est à plat, on fait toutes les encoches. Pour emboîter. Chaque tronc d'arbre vertical blanc, et puis ils sont remis ici, et chaque fois là on a mis. On a coupé juste à mesure pour que vous aurez enfoncé très fort à la masse, et puis on a mis deux clous pour sécurité. Julien ? Oui. Tu vous mets la part aussi, maintenant je t'en prie. Ça y est, le break est terminé. En forêt avec un petit chalet en bois sympa et un terrain qui était prévu pour faire du maraîchage, et j'ai fait une formation classique BP bio et arrivé là, c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de bosser comme à l'usine au champ. Voilà. Je préférais avoir un boulot qui me rapporte peu d'argent mais qui me permette de vivre au complet, quoi. Faire ma bouffe, gérer ma maison, puis vivre là, parce qu'on n'a qu'une vie. Et le métro boulot dodo, que ce soit au champ ou à l'usine, finalement, c'est, fin, si, ça change, mais j'avais pas envie de ça, quoi. Et du coup, après la formation, je suis rentré à la maison, j'ai essayé de faire des trucs avec des trucs que j'ai lus sur la permaculture dans des bouquins et tout, puis je me suis retrouvé un peu bloqué parce que il fallait que je rencontre du monde, fallait que je sois immergé un peu là-dedans. Et du coup, j'ai prévu un périple de 3 mois, j'ai commencé par un cours certifié en permaculture. Et puis après, j'ai fait des fermes, des lieux, tout ce que je trouvais qui me permettent de tracer un itinéraire. J'ai beaucoup fait par rapport à la géographie. Du coup, je tombe sur des lieux qui me conviennent plus ou moins, quoi. Et du coup, j'ai vu l'adresse dans Passerelle Éco et je suis venu là. Je devais passer qu'une semaine et puis j'en passe deux, quoi. Il y a beaucoup de choses. La permaculture, c'est vraiment un condensé de plein de
plein de pratiques, plein de philosophies qui sont... c'est beaucoup de bon sens finalement, j'ai l'impression. J'étais attiré par ça et puis dans le milieu un peu des potes qui bossaient sur gestion, protection de l'environnement et qui avaient une ouverture un peu sur tout ce qui existait. J'ai entendu parler de Fukuoka. Du coup, j'ai lu La Révolution d'un seul brin de paille. Et au niveau philosophique, c'était vraiment ça. C'était vraiment la compréhension intellectuelle du monde. Elle peut être utile sur certains aspects précis, techniques, mais la globalité est tellement importante qu'on ne peut pas tout comprendre, quoi. Et le sens, c'est d'essayer de vivre les choses, parce que la vie, elle sans compréhension, elle fait les choses bien, elle fait les choses équilibrées. Et voilà. Et donc, moi qui avais envie de vivre un peu dans la nature, de faire pousser des plantes et puis d'apprendre à vivre par moi-même, quoi, avec mon travail en coopération avec une terre, et ben la permaculture, ça rentrait bien là-dedans, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça se passe bien. Moi, je suis un peu tout seul chez moi, et je trouve ça incroyable. Je pensais pas qu'on puisse réunir autant de personnes et voilà. C'est aussi pour ça que je suis parti de la maison. J'avais pas de coup de main, j'étais tout seul à bosser. Je me suis dit, quitte à pas avoir de coup de main, autant que moi j'aille filer les coups de main aux autres, parce que là tout seul, j'arrive pas. Je suis en train de m'enterrer tout seul. Et du coup, ouais, c'est cool de voir qu'il y a autant de monde qui s'implique. Voilà. Et puis on apprend vraiment par la pratique, quoi. En plus, Pascal nous laisse, je trouve, une bonne autonomie. Et il a une confiance que j'aurais beaucoup de mal à laisser. Et ouais, c'est impressionnant. Et du coup, l'idée quand on arrive de nous dire vivez sur ce lieu, que ce soit une heure ou 15 jours ou un mois, comme si vous étiez là pour l'éternité, bah c'est vraiment ça qui est important et ça permet vraiment de. Voilà. Quand on le fait, de s'impliquer, de penser aux autres, voilà. Bah, c'est riche au niveau apport technique, quoi, de voir comment on fait concrètement quelque chose. Et c'est vachement riche au niveau humain. Comment ça peut gérer plein de gens comme ça. En plus, ça change, quoi. Tout le temps, tous les jours, il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent. Donc, il y a de nouvelles personnes à prendre en compte et de nouveaux apports. Et, ouais. Ah, je trouve ça super. Ouais. Donc, je vais me poser une année. Enfin, j'espère que je vais arriver à respecter ça. Une année à me poser et réfléchir vraiment toute la conception du lieu et bien y intégrer qu'est-ce que moi j'ai envie d'y faire, quoi. En première base, en première donnée. Parce qu'on part toujours de ça, mais on dérive tout de suite sur... Ben, y a la contrainte économique, il y a la contrainte sociale, il y a la contrainte, j'en sais rien, culturelle, il y a le voisinage. Et du coup, on part tout de suite sur les points négatifs qui nous contraignent et on finit par construire quelque chose qui ne correspond pas, quoi. Donc essayer de reprendre mon projet, mais avec vraiment l'idée de ce que moi j'ai envie d'y faire, mon rêve un peu, vraiment. Et d'adapter ça tout doucement aux contraintes et pas laisser les contraintes prendre le dessus sur le projet. Et vous, chez vous, c'est fixé ou pas? Moi, oui. Voilà, c'est fixé? Ouais. On est juste sauf. Alors, on est moins pour activer là. Je ne trouve pas de solution. Comment ça, il n'est pas fixé? Il est pas fixé. Bah, c'est le tasseau qui n'est pas fixé. Ah, le tasseau n'est pas fixé. Le tasseau?
bon. Mais non, mais il y en a largement. Non, il y a la butte, après le bassin d'enduit, ils sont pas encore opérationnels. La butte, il y a quoi à faire? Il faut faire tamisage. Ça c'est pour dire qu'on est trop lent. Non, 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 non. Parce qu'on était vraiment en mode smoothie, quoi. Excuse-nous, hein. Pas du tout, pas du tout. Moi, perso, j'ai pas pris de café ce matin. J'ai pas encore très bien réveillé, excusez-le. Un scarabée. Non, c'est un on a utilisé bas, hein. Tout pour tous les ennuis de corps, les briques. Voilà, quoi. En fait, on a de la terre un peu partout dans tout, quoi. C'est extraordinaire. Ça, c'est une maison locale. Ouais. Tu vois, regarde. 3. C'est un putain. Déjà applaudi avec les mains pleines de glace. Super. Ça fait très joli. Ouais. Alors, par contre, faut trouver de la place, mon père. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste les planches ici, il y a de la place. Petite question. Ah, attends, combien de temps pour que ça sèche? 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Le sol est assez traumatisé, donc on laisse la faune se réparer toute seule. Donc là, les premières années, c'est de la bardane, c'est des plantes pionnières qui sortent et qui viennent creuser avec leurs racines pivots pour aérer la terre, pour la préparer pour les plantes. Enfin, c'est la succession végétale, quoi. Donc préparer la terre et que finalement, quand on va planter l'année prochaine les espèces un peu plus fragiles, la terre sera bien plus accueillante. Et tout autour, on va installer des variétés de pommiers qu'on recherche pour des pommiers qui n'ont pas besoin de traitement, qui sont résistants aux maladies, des vieilles variétés. Ça, c'est quand même super productif. On a semé quelques graines de salade vite fait, et maintenant, on n'arrive même pas à tout manger. Et donc, une fois que les pots seront retirés, on aura nos productions de tomates, aubergines, poivrons, concombres, pour 2 ou 4 mois de plus dans l'année qu'au potager, quoi. Le paillage, c'est pareil, c'est une technique qu'on retrouve dans différents pays du monde. C'est une façon de couvrir le sol pour éviter le développement des adventices, donc ce qu'on appelle les mauvaises herbes, entre guillemets. Après, on peut choisir les mauvaises herbes et en laisser quelques-unes, qui sont comestibles notamment, ou qui couvrent le sol. Mais le paillage va couvrir le sol, garder donc l'humidité dans le sol, empêcher les adventices de se développer. Et puis, il va favoriser la remontée des vers de terre qui vont remonter le sol et le brasser et le travailler à notre place. Ça empêche aussi d'avoir de la terre à nu. La terre à nu, il n'y a rien de pire, hein. Elle est brûlée par le soleil. Et c'est le début de l'érosion aussi. Il suffit qu'il pleuve et hop, la terre, elle s'en va, quoi. Donc ça permet aussi de garder notre jardin, de protéger la terre de notre jardin. Avant, c'était un champ de patates ici qu'on a transformé. Et si tu écartes un peu le paillage, dessous, tu as une terre. Tu as vraiment une terre exceptionnelle, quoi. Pleine de vie. Voilà, pleine de vers de terre. Donc, la prairie, maintenant, on a presque tout planté. On a planté toute la canopée, donc tous les arbres. Maintenant, on a encore quelques années pour planter les sous-étages, les couvre-sols. Et essayer de mettre des couvre-sols un peu partout qui sont intéressants. Comme ça, là. Ça, c'est plutôt arbustif, c'est des goji.
bataille, ça va pas me plaire, ça sent. Le chantier se passe à merveille. Toutes les petites critiques qu'on pourrait faire sont des critiques momentanées sur des petites choses de vie commune, en fait, rien à voir avec le chantier. Je suis toujours impressionné par ce qu'on arrive à réaliser sans materner les gens. La façon dont le fait de se responsabiliser pousse chacun à dépasser ses propres limites et à travailler pour le meilleur, quoi. Donc on a un résultat fini qui est très appréciable. Et surtout, ça permet de vivre une expérience humaine très, très enrichissante. C'est pour moi le point le plus important. La maison, c'est un prétexte quelque part. Mais ce qui se passe ici en été, c'est quelque chose qui... Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le changement. C'est-à-dire c'est en vivant une expérience telle que celle-ci que j'ai décidé que j'allais... continuer dans cette voie-là. Là où j'étais en Thaïlande, j'étais volontaire dans une ferme pendant 5 mois. Et donc c'est un peu cette expérience-là que j'essaye de reproduire ici, et qui permet aussi à chacun de voir qu'on peut vivre différemment, on peut faire des choses soi-même, on est capable de faire des trucs de fou, et en collectif, on arrive quand même vraiment à... Ben voilà, je suis toujours plein de gratitude et impressionné. Je pense qu'il me faudra un peu plus de recul pour apprécier l'immensité du travail accompli. Partage aussi la cuisine, l'entretien du jardin, la récolte des fruits, toutes ces choses-là qui font partie de la vie rurale. Et puis une certaine simplicité et sobriété. On mange simple, mais en fait on mange très bien. On s'aperçoit que autour, tous ceux qui se retrouvent en cuisine arrivent à faire des plats différents à tous les repas. On mange très bien. Ah, et vous précisez si vous mettez de la viande dedans aussi. Ouais. Hein, vous êtes plus obligé de faire à deux. Hein, si, je sais, mais j'ai envie de le faire, donc du coup je continue. D'accord. Je me sens pas obligé, mais ça me fait plaisir. Là. Ça me fait plaisir. Okay. Au niveau de l'espace, on se fait pas. Bah, regarde, du coup, j'ai pris juste un petit peu de table. Je me... pour mon plaisir, je vais faire un truc. D'accord, donc voilà, on va rapprocher les aliments. Là. Oh, si, j'ai pris le fromage là. Le fromage là-bas qui est sous le torchon. Est-ce que tu veux un peu de ça, Violaine, tu veux un peu de ça? Vous en voulez? Bah oui. Une assiette libre. Violaine, celle-là, c'est prêt. Assiette libre aussi. Attends que tout le monde ait mangé pour manger plus. Bon. Ah, bien. Ah, bien dormi, quoi. Bien passé de la sauce tomate. La partie qui Il y a combien? Celle-là après? Ouais, celle-là alors. Ah, la violette, celle-là c'est prêt. Mmh. Alors je sais pas si ça a été livré, mais je crois pas. Celle-là a fini en priorité, s'il vous plaît. D'accord. Par contre, la pizza qui vient de sortir, je crois que c'est l'avant d'elle. Hop, ouais. Voilà. J'amène les piments. Ouais. Bravo, champion. Oh, Geoffroy, mais que deviendrait-on sans toi? Eh ben, on se hyper sensible au piment. T'as mangé combien?
Sensuel comme truc. Non, comme tout ce que tu fais avec. Ouais, mais là, c'est quand même. Côté vraiment. Là, je peux arrêter là. Hein. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu me donnes la forme que tu veux. Non, parce que... Non, tu fais une boule. Tu donnes une forme. Là, je vais faire d'abord une boule. Une boule. Elle a des plis, c'est bien que les plis ils soient sur le dessus. Les plis sur le dessus ? Pas sur le dessous. C'est génial. Il faut en mettre pas mal, sinon. Tu seras frustré. C'est ça. Je vais déjà juste le replier comme ça déjà. Hop. Là, je pense que ça va bientôt me faire le pétrissage avec le tout, et puis après, façonner. Tresser, je pense, le pain au noix, non ? Ouais, je vais faire une torsade. Faut espacer les mains. Comme ça ? Ça sera suffisant. Ça m'a permis de découvrir ce qu'était la permaculture. Ça m'a permis de vivre d'une manière qui me va vraiment complètement et que j'avais jamais connue avant. C'est vraiment une manière de vivre de manière très simple, dans laquelle je suis vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi. Ici, je suis vraiment bien. C'est la première fois d'ailleurs que je me sens aussi bien à un endroit qui soit différent de celui où j'ai grandi. C'est la première fois que j'ai ce ressenti là, quoi. J'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Donc avant, je travaillais dans un bureau d'études du bâtiment. Je bossais sur tout ce qui était donc énergie, performance énergétique. Et donc, ce qui est certes très intéressant, mais très loin de ce qu'on pourrait faire de manière très simple. Donc c'est des choses qui ne sont pas abordables au commun des mortels. Alors que la permaculture, ça permet de faire d'aller beaucoup plus loin et de faire des choses simples que tout le monde pourrait faire finalement. Donc du coup, ça m'a donné envie de me reconvertir et de finalement laisser exprimer les rêves que j'avais, c'est-à-dire les rêves de me rapprocher de la terre, d'être paysan. C'est vraiment un rêve que j'avais au fond de moi depuis toute petite et que
tout le monde avait dit, bon, bah ça, de toute façon, c'est pas possible, faut oublier, c'est pas possible. Et quand je suis arrivée là l'année dernière, et ben, j'ai compris que si, c'était possible. Et donc, tout de suite, voilà, j'ai pris les décisions à prendre pour commencer la reconversion et apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre pour faire ce métier-là. Et donc là, je suis au début de ma nouvelle vie. Alors, mes projets dans l'immédiat, c'est de me former par le biais du woofing. Alors, le woofing, c'est une manière de... Enfin, ça... On va travailler chez des paysans qui fonctionnent en agriculture biologique. Et on est nourri, logé, blanchi, formé en contrepartie. Donc du coup, c'est vraiment des échanges non marchands et qui permettent d'apprendre et de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Donc il y a ça, j'ai un projet de partir en Thaïlande cet hiver pour participer à une communauté en permaculture justement. Donc moi, ça va me permettre d'apprendre l'anglais et puis d'apprendre encore plein de savoir-faire au niveau de la construction et de la gestion d'une communauté en permaculture. Et puis bon, j'ai aussi le projet de commencer à prospecter pour acheter un terrain dans la Drôme pour mettre en place mon projet qui serait au départ, qui commencerait par une activité de paysan boulanger et après qui s'élargirait petit à petit à d'autres choses, maraîchage, élevage, apiculture, plein de choses. En fait, j'ai envie vraiment de toucher à tout, mais il faut bien commencer par quelque chose. Il faut y aller à petits pas pour pas se tromper, pour pas se... Quand on fait un trop gros pas d'un coup, on prend le risque de tomber, donc il faut y aller à petits pas de bébé. J'ai mon sol qui se barre. Suivant.
madame et... Et monsieur. Et monsieur. Et qu'est-ce qu'ils ont à côté? Ça, c'est quoi? Pelle. Presque, c'est une fourche. Une fourche bêche. Voiture. Ça roule très vite, hein, la voiture. Monsieur dame. Ouh, là, plein de photos. Qu'est-ce que c'est? Des oignons. Des oignons, bah oui. Des tomates. Ah non, ça c'est courge. Des carottes. Carottes, oui, c'est bien. Et ça c'est quoi ça, Tino? Messieurs dames. Oui, des messieurs dames. Et eux, tu peux pas les acheter. Moi, j'ai besoin que mes actes prennent du sens. Ma vie, je me suis beaucoup intéressé à la politique et à la philosophie. Et pour moi, chaque geste de ma journée, c'est un acte politique. Et c'est moi qui s'exprime. Après, dans la limite du collectif présent ici, puisque c'est des choses qu'on partage aussi parfois à plusieurs. Et en effet, moi j'ai besoin de vivre avec le soleil, je crois que j'ai besoin de vivre avec les éléments autour de moi, je crois que c'est ça qui nous nourrit aussi. Je pense qu'on peut pas vivre déconnecté de son environnement, d'avoir les mains dans la terre, de faire pousser les légumes que je mange, de construire la maison avec des matériaux locaux. Tout ça, c'est des choses qui prennent du sens, puisqu'il y a des choses qui pour moi n'en prennent plus, apparemment, tout le monde semble être d'accord sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont plus ou qui vont trop loin, sans pour autant proposer de solutions, alors que les solutions, elles existent déjà. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est de vivre en accord avec mes idées, avec mon espèce de vision d'un monde parfait. Et je dirais que peut-être la différence avec beaucoup de gens, c'est que j'ai eu l'occasion de découvrir que c'était possible de le faire. Et que c'était pas juste réservé à des utopistes perchés ou je ne sais quoi. J'ai été dans des endroits où les gens vivaient vraiment leur vie telle qu'ils la concevaient et telle qu'ils voulaient la voir arriver. Et du coup, je savais que c'était possible et je m'applique à le réaliser un petit peu tous les jours. Le chantier, ça permet à tout le monde de voir que qu'on peut vivre ensemble différemment, qu'on peut aussi réaliser des choses avec nos mains. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'aperçoivent ici qu'ils peuvent construire leur maison, que c'est possible, et sans se faire mal en plus, qu'on peut avoir un jardin sans travailler le sol, qu'on peut avoir un jardin magnifique en mélangeant les plantes, en ayant plaisir à s'y promener. Qu'on peut avoir de l'abondance chez soi sans passer par le supermarché. Ouais, c'est de montrer un peu tout ça. Je crois qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui découvrent, puis il y a des anciens qui reviennent, ou des gens que je connais bien maintenant, qui reviennent pour vivre, partager cette aventure humaine plutôt. Il y a des gens qui sont là plus pour l'aventure humaine que pour le bricolage, puisqu'ils sont déjà bricoleurs, et eux portent aussi un petit peu le côté bricolage de la maison. Mais ouais, je crois qu'il y a une diversité de gens qui viennent ici, je ne pourrais pas les mettre dans une boîte, quoi. C'est vraiment... Il y a vraiment de tout. Et ce qui est étonnant, c'est la fusion qui a lieu malgré ces différences, puisque bon, malgré tout, il y a quand même une idée derrière de construire écologique, de conscience écologique. Que le paradis peut-être sur Terre, ici et maintenant.
Thank you.